Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, l'Esprit-Saint nous rassemble pour que nous chantions le chant de la résurrection, que nous proclamions la résurrection du Christ telle qu'elle s'est déroulée à Jérusalem et que nous proclamions notre foi au Christ ressuscité tel qu'il est aujourd'hui présent dans son Église. Ce soir, notre foi en la résurrection est confrontée à l'épreuve terrible qui frappe le Népal, des milliers de morts, de blessés, de déracinés, de sans-abri. Et nous portons dans notre prière tous ceux qui ont péri dans cette catastrophe, leurs familles, ceux qui sont sinistrés après l'épreuve. Et nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui se dévouent jour après jour pour essayer d'apporter le maximum d'aide possible pour la survie de ceux qui n'ont plus rien et qui sont exposés à toutes sortes de risques médicaux maintenant. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau, que maintenant elle nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia, alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus ti. Benedicimus te. Adoramus ti. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Omine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Miserere nobis. Adeum tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum sancto spiritu in gloria prions le Seigneur, Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchait à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, voici le commandement de Dieu, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Il nous arrive souvent de nous poser des questions pour savoir qu'est-ce que ça veut dire que d'être chrétien en ce monde, dans le monde de ce temps, dans notre monde. Comment est-ce que nous pouvons cerner le cœur de l'authentique foi chrétienne? Comment est-ce que nous pouvons identifier ce que Dieu attend de nous? Et nous le savons bien, quand nous nous posons ces questions, elles sont à la fois des questions vraies qui nous habitent, elles sont en même temps souvent l'expression de notre duplicité. Car à imaginer que d'être chrétien est quelque chose de très compliqué, dont les détails sont si nombreux et si difficiles à cerner, que nous pourrions avoir une excuse de ne pas y satisfaire. Or, ce que nous dit l'épître de saint Jean que nous venons d'entendre, c'est le noyau et le cœur de la foi, et ça tient en quelques mots. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns des autres comme il nous l'a commandé. Car en effet, il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu, il ne peut pas y avoir d'entente avec Dieu, il ne peut pas y avoir de prière exaucée par Dieu si nous ne sommes pas dans la foi à son Fils Jésus-Christ. Et l'image de la vigne que Jésus emploie dans l'évangile de saint Jean renforce encore cette prise de conscience qu'il est le seul qui puisse établir une communion réelle entre Dieu et les hommes. Ou pour reprendre une formule que nous avons entendue un de ces derniers dimanches dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas de nom sous le ciel autre que le sien par lequel nous puissions être sauvés. Être disciple du Christ, c'est d'abord reconnaître ce rôle incontournable de Jésus de Nazareth pour établir une relation entre Dieu et les hommes.
et pas simplement une relation virtuelle, comme nous pouvons en établir à travers des réseaux sociaux, ou une relation vaguement sentimentale, comme il peut nous arriver de l'expérimenter quelquefois, mais une relation qui touche au plus profond de notre être, et que l'évangile de Saint Jean exprime par le mot de demeurer. De même que le Fils demeure dans le Père et que le Père demeure dans le Fils. Et que cette communion du Père et du Fils établit une vie commune entre le Père et le Fils. C'est la vie du Père qui est transmise par le Fils. Et c'est dans cette vie du Père que le Fils puise sa propre vie. De même, Jésus dit à ses disciples qu'il ne peut pas y avoir de véritable vie de disciple si nous ne demeurons pas en lui et s'il ne demeure pas en nous. C'est-à-dire, ultimement, que par la médiation du Fils, c'est Dieu lui-même qui vient demeurer en chacun d'entre nous, et c'est en Dieu que nous sommes appelés à demeurer. On peut comprendre que pour beaucoup d'hommes et de femmes, à travers l'histoire et à travers l'espace, et aujourd'hui à travers le monde, cette manière de comprendre la relation entre Dieu et les hommes soit l'objet d'un doute, voire même d'un scandale. Que peut-il y avoir en effet de commun entre Dieu, l'innommable, et nous? Comment peut-on imaginer qu'il existe une sorte de sève conductrice de la vie qui circule entre Dieu et l'humanité? Il n'a pas fallu moins de 20 siècles pour que nous puissions peu à peu nous acclimater à cette idée extraordinaire que la création, le monde que nous connaissons et notre propre vie dans ce monde sont une prolongation, un reflet, une expression de la vie de Dieu lui-même. Certes, nous le savons depuis le récit de la création à l'origine et au commencement de la Bible, mais entre reconnaître un Dieu créateur qui peut rester finalement tout à fait extérieur à sa création et qui lui donne la vie sans pour autant être lui-même impliqué dans cette vie. Et la communion que le Christ exprime en disant qu'il demeure dans le Père et que le Père demeure en lui, et que nous sommes appelés nous aussi à demeurer dans le Christ et par le Christ à demeurer dans le Père, c'est-à-dire à comprendre que tout ce qui fait le tissu de l'existence humaine, les événements auxquels nous sommes confrontés, les décisions que nous sommes amenés à prendre, les choix auxquels nous sommes appelés, tout cela a quelque chose à voir avec Dieu. Et que dans tout cela, Dieu est impliqué. Ou du moins, il veut être impliqué si nous lui en laissons l'espace. Demeurer dans le Christ et que le Christ demeure en nous, la condition, c'est que nous suivions ses commandements. Mais suivre ses commandements, ça n'est pas simplement acquérir une sorte
de sagesse plutôt bienveillante ou une sorte de catalogue de choses dont nous savons qu'elles sont interdites ou qu'elles sont autorisées. C'est passer de la parole aux actes. Comme nous le dit l'épître de Jean que nous avons entendu, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Mettre notre foi dans le nom du Fils Jésus-Christ, pas simplement en parole, mais en acte et en vérité, ça veut dire nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Si bien que l'on ne peut pas essayer de vivre cette communion avec Dieu par la médiation du Christ sans assumer l'appel à la communion entre les hommes pour laquelle nous sommes envoyés dans le monde. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Garder ses commandements, ça veut dire nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et devenir à notre tour des hommes et des femmes qui mettent le commandement de l'amour en pratique dans les relations avec tous les autres, avec ceux que nous connaissons comme avec ceux que nous ne connaissons pas, avec ceux que nous aimons comme avec ceux que nous n'aimons pas, avec ceux qui nous ressemblent comme avec ceux qui ne nous ressemblent pas, avec ceux que nous considérons comme les nôtres, comme avec ceux que nous considérons comme des autres, dont nous ne voudrions pas qu'ils viennent perturber l'équilibre de notre société. Être chrétien, c'est aimer comme le Christ a aimé. Frères et sœurs, nous le savons, dans les périodes troublées et difficiles, il est assez naturel que l'on se réfugie dans une attitude défensive à l'égard des autres et que l'on perçoive celui qui n'est pas comme nous, celui qui n'est pas de chez nous, celui qui ne partage ni notre culture ni notre foi comme un danger, peut-être un adversaire, finalement un ennemi. Telle n'est pas la culture chrétienne dont on nous dit qu'elle est la marque de notre société. Si nous sommes vraiment de culture chrétienne, nous ne pouvons pas être comme des ennemis vis-à-vis des autres, comme des adversaires ou comme des gens soupçonneux. Le Christ, lui qui était de condition divine, n'a pas revendiqué le rang qu'il légalait à Dieu, mais il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est à ce même amour qu'il nous appelle. Que son esprit emplisse nos cœurs et les ouvre à la dimension de cet amour. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Cui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendet in celum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit. Resurrectionem mortuorum.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jesus, Jesus,
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, en mai et juin, tous les samedis et tous les dimanches soirs à 21h15, le spectacle « Réjouis-toi Marie » opéra d'image sur le texte de Claudel, entrée libre, donc ce soir, à 21h15. Par ailleurs, 20e édition de la fête du pain sur le parvis de Notre-Dame du 8 au 17 mai avec nos amis les boulangers. Mardi 19 mai, notre archevêque et les évêques d'Île-de-France, de 19h à 21h30, nous invitent à la grande veillée de prière pour la vie. Il convient, comme vous le savez, cette question est d'importance, que nous participions le plus possible à cette veillée, donc mardi 19 mai. Enfin, un concert à Notre-Dame de Paris autour de Bach, le mardi 5 mai à 20h30. Vous pouvez prendre des places à l'accueil, comme l'on dit, tous les jours de la semaine. Nous terminons donc notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.